Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des Conquérants. Et on se retrouve une nouvelle fois avec Damned. Bonjour Damned. Salut tout le monde. Alors, épisode précédent très chaotique de ton côté. Ouais, un peu compliqué, ouais. Et de mon côté, ça a été une toute petite vague chaotique après, mais ça s'était vite calmé et ici je suis repassé en mode conquête. Je grignote tout ce que je peux. Et de ton côté, toi, tu vas aussi commencer à grignoter ce que tu peux autour de chez toi. Exactement. Tout à fait ça. Hop, ici, tout à fait ça. Et je vais bon. Même commencer par par renommer un chancelier, c'est déjà un bon début. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire des murs dans ma capitale. Parce que j'ai pas de mur, ma capitale c'est autoroute, donc on va apporter un peu de défense. C'est ça. Et après, ce sera guerre contre. Ici je fais la guerre contre un tout petit morceau dans les montagnes. Puis il me restera Musaïd, Asturie et Razakid à attaquer. Et puis j'aurai probablement l'occasion de réattaquer Biscay. C'est quoi? Il est compte, hein? Oui, il est compte. Ah oui, Claire est lagué. Bah. Petit lag. Trois mains de siège. Ici. Non, vous n'allez pas agir comme bon vous semble. Je préfère évitement améliorer. Hop, je peux encore rançonner du monde. Ça me fait de l'argent. Faible contrôle en Asturie, oui, mais j'ai du faible contrôle dans tout le pays, donc ils sont marrants ceux-là. Je vais aller l'aider, mon voisin de Kiev, mais je vais prendre, comme je peux les appeler sans frais, je vais prendre les Yorms Vikings et on va aller l'aider comme ça. Ah oui, en plus c'est pour ses rebelles, ça devrait aller assez vite. Il a 900 rebelles. Ouais, mais ça se trouve il va gagner, hein. J'ai appelé les Yorms Vikings pour rien et puis voilà, hein, mais bon. Ils sont jamais appelés pour rien, il faut un peu les entraîner de temps en temps. C'est vrai. Ça se trouve il va gagner, ça va être 100% à la fin de son combat. Je t'influence, voilà. C'est qu'un bourgmestre qui veut se rebeller. Fais-toi plaisir. Puis on a vu que l'Italie, elle était pas contente. Et donc, elle va attaquer la France et elle veut venger la Haute-Bourgogne aussi. Ça m'aide à moitié, hein, vu que moi, je vais quand même essayer un moment de manger l'Italie, donc... Hop, j'ai des terres en trop, je sais. Je vais l'accorder à... mon fils est champion. Disperser tout. Voilà. Ah, what? Non, ok. Je ne suis plus marié, ok. Je vais me marier à... je suis vieux, donc. Toi ici. Arrange un mariage entre toi et moi. Ils acceptent. Hop, je me fais allié de la Suède. J'espère, en tout cas. Oula, les Byzantins, ils ont aussi mangé un bout, là. J'ai l'impression qu'ils ont mangé un duché en Italie. Ou alors un... Ah non, c'est un Ancône, ouais. Je pense qu'ils ont mangé le fil. C'est vrai qu'ils commencent à être bien bien gros, hein. Et ils sont plus en rébellion. Chose qu'ils étaient au début de l'épisode. Ah, mais c'est plus l'empereur, c'est une impératrice maintenant, je pense. Est-ce qu'il y a eu une mort et donc... Bref, en tout cas, ça n'arrange pas nos affaires. Quoique, les deux empires à l'est, battez-vous. C'est ça. Hop, là je vais attaquer. Alors si j'attaque les Asturies, est-ce que je prends compter ça? Non. Ça non. Castille, je pense que c'est le plus intéressant.
Hop, c'est parti. Je lève les troupes. Oula. Ok, il a 3000 troupes, il se fait plaisir. Bien, ouais, c'est très bien. On va se réunir et puis on va foncer sur les... Ouf, je risque de faire le siège, mais bon. Vu l'état de l'Asturie. Ouais, la Basilésie, elle s'est complètement éclatée. Genre bien comme il faut quoi. Ah bah tant mieux. Ouais, ça va être autoroute pour toi. Bah ouais, pour moi je peux pas, mais à un moment ou à un autre oui. Ouais non, mais le commandant quand c'est moi ça me plaît pas. Dépend le perso, mais là... Bah, je suis estropié, je suis vieux. Ouais, bon, à un moment non, irritable, ça va. Allez, on va accorder un privilège fiscal parce que les petits nobles, hein, là, ils se sentent plus. Eh, ils ont quand même pris le siège alors que je les contre-attaquais. Hein. Honteux. Hop. Prendre la province et ici. J'ai capturé qui? Oh, j'ai capturé un nain. Le duc de Castille. Juste pour le plaisir, je vais le rançonner. 150 pièces. Pour ensuite le recapturer derrière. Ah bah oui, il faut. Hein. Non, franchement, il faut le faire. Parce qu'avoir un nain en prison, ça reste prestigieux. Tu m'étonnes. Parlant de nain, le roi de Bavière. 51 ans, hein, il va bien. Hein. Irritable, ouais. Débauché, nain, frêle, filiforme. Et mine de rien, brillant stratège, logisticien, ingénieur militaire, défenseur inflexible. Ouais, par contre, le brillant stratège, on le voit pas vraiment. Ah oui, non, ça, c'est sur le papier, mais après, je suis d'accord c'est avec ça, toi. Sur le papier, les brillants stratèges. C'est surtout la déchéance chez lui. Passer d'un beau royaume à. Un conglomérat d'états éloignés les uns des autres, donc sans aucune emprise. Ah tiens, ça se renverse en Italie ou bien... Ouais, l'Italie il se fait poutrer maintenant par la France. Ah! Ah, je suis mort. Oui, j'ai reçu le nouvel empereur. Belle longue vie à moi. Je m'appelle Hack, ouais. Est-ce que j'ai perdu des terres? J'ai pas perdu de terres, on dirait. Bah, tout se passe bien. Ah, il faut que je choisisse. Je suis Martial aussi. Martial avec plus 3... Plus de redoutabilité, je prends ça.
Ok, ensuite il faut que je refasse mon conseil. Tout le monde me déteste à nouveau, c'est génial. Ici. Voilà. Et pour finir, lui. Voilà, il faut que je regarde. Alors, mes vassaux. Toi, tu me détestes, mais je vais pas t'améliorer. Toi, t'es un enfant, donc on s'en fout. Toi, t'es contre, mais... Ouais, toi, je vais améliorer la relation. Ici, j'ai des prisonniers à rançonner. Ok, je prends. Ouah, 300 il me vaut, lui. Je garde. Vous êtes dans une ligne de succession. Ligne de succession. Des enfants ont besoin de tuteurs. Mon héritier, ce sera moi. Mon fils, mon autre fils, ce sera moi aussi. Emprisonné, on s'en fout. Prendre une concubine. Oui, une ma belle-sœur. Ouais, non. Ah, quoique, c'est la plus jeune. Allez, on va prendre ma belle-sœur. Ça, je vais supprimer la proposition de vassalisation envers toi. C'est gentil. Mais voilà, et du coup, je suis prêt. C'est bon. Pas de problème, pas de problème. C'est reparti. Ah bah oui, bien évidemment. Qui me demande une alliance? Mais bien évidemment, il faut les refaire. Alors, est-ce que je peux me réallier aussi à la Suède? Non. Arranger un mariage entre toi et mon fils, c'est possible? Oui. Voilà. Une alliance de sécurité en plus. C'est toujours pas assez. Ok, allez, on se forme avec la Suède. Ça, je peux rien faire. J'ai pas assez de postes au conseil pour mettre tous mes vassaux au conseil, ou sinon, ben, ce serait fait. Et je suis à nouveau le chef de ma propre dynastie. Ça, c'est bien. Mon chef de culture, c'est toujours chez toi. Ça se passe bien. Hop, je perds 10 de stress, ok. Et en chef religion, on n'a pas de chef. Alors par contre, les rébellions, ça pique. Oula. Faction pour l'indépendance. Est-ce que j'ai quelques prisonniers à sacrifier? Non, il faut que je regarde ce qu'ils valent. Ici, qui me rapporte 0. Alors, à qui je vais pouvoir donner ça? Ok, très bien. J'ai quelqu'un qui a une revendication en Hollande. Ah, très bien. Ah non, je peux pas faire la paix parce que... J'ai rançonné son fiston. Alors ici, prendre une concubine. Je peux encore prendre une concubine? Allez, celle de 16 ans. Ouais, si vous obtenez un atout, bien combattu un guerrier, vous êtes blessé. On va le tenter, allez, 73% on y croit. Comment m'a servi quelques instants, je maintiens le... Alors, vous obtenez stratégie innovante pendant 15 ans, vous obtenez 100 points. Bien à pic, toi! Tac, 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 duché de Lusace, cadeau! Et là, il veut pas la paix. J'aurais dû faire la paix quand j'avais 100% avec le fils, hein, tant pis. Alors, gagner un atout. Servir la couronne, ouais. Oh! Haute-Silésie et Haute-Silésie. Ah non, Basse-Silésie et Haute-Silésie qui sont indépendants l'un de l'autre.
Il y a du changement dans la région. Ouais. Hop. C'est vrai ça. Je peux toujours pas leur déclarer la guerre. Pour un duché, non. Au pire, pour un comté, oui. Bon, ça fait un peu chier pour être honnête, mais... Je gagne en prestige. Bah sinon, c'est pas grave. Je peux peut-être faire une pierre ou un truc. On a découvert les plans de cité. Il nous reste deux trucs du Moyen-Âge et ce serait bon. Il reste Cassius Belli et Mott. Enfin, de la période tribale. Ah oui. On va perdre un peu de stress comme ça. C'est pourtant... Ah oui, bah, je vais dire c'est moi le chef dynastique. Oui, mais c'est pas... C'est... Moi, c'est vrai que... Oui. On s'en fout, c'est ce que je choisis de... d'appuyer, mais c'est pas pour autant que le reste continue pas d'avancer. C'est ça, ça continue lentement. Ça va moins vite en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux prioriser en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tout à fait. On va tenir un grand blot. On va le faire. Venir que guérir. Grande fête sacrificielle. J'ai un peu d'argent, mais tant pis, je vais appeler tout. Et on va essayer d'aller piller. Moi je me retrouve en guerre. Contre qui? Ok, quelques personnes. Et ça fait chier parce que c'est le plus imposant. Et bien évidemment, vu que c'est... Ah mais c'est ma foi, mais l'ordre. Ah non, il est déjà recruté. Tant pis. Je vais finir ma guerre contre l'Asturie et je vais essayer de faire l'autre. C'est 1000 hommes quand même, faut que je fasse gaffe. Il va falloir rapidement que je fasse un siège parce que là ils vont gagner du score pour. Parce qu'ils ont leur terre. Et oui. Après le score contre l'Asturie va augmenter tout seul. Donc là je fais juste récupérer un siège parce que j'étais dessus donc. Hop. Sérieusement, 99 hommes qui font un siège là-bas, faites chier quoi. Non, on va pas faire ça. On va faire. Préparer une nouvelle armée. Capable de piller. Pourquoi mon armée elle est pas capable de piller? Est-ce que t'es pas dans une guerre ou... Ah bah si, guerre de rébellion du coup, putain mais si, je suis con. Bon voilà, disperser cette armée là, pour pas que ça me coûte trop cher. Casse-pied ça. Alors j'ai des rebelles, y'a qui en rebelle? Ils sont trois, mais j'arrive pas à voir où est le troisième. Ah si, trouvé. Je vais pas aller là-bas. Donc, avec lui. Je vais déjà m'avancer par là. Prendre une concubine, ah ben je vais pouvoir encore une de 16 ans, très bien. Une de 16 ans, bossu et de ma famille. Parfait ça. Ça va faire un joli mélange. Ouais, je pense, ouais. 20% de score parce qu'ils ont une province à moi et qu'ils contrôlent leur province. Ouais, c'est marrant.
Donc je contrôle aussi. 4% de score de guerre. Est-ce que vous acceptez la plaie blanche? Non. C'est étonnant. Allez, j'ai l'impression qu'ils vont même pas faire le siège de ma capitale. Ils ont décidé de faire le siège. Peut-être libérer le siège que j'ai pris. Ah. Viens voir un peu quoi ça. Ce qui... Ah, je peux pas. Ce qui va m'intéresser. Hein. Bah, si tu veux, tu peux rejoindre la guerre juste pour regarder. C'est exactement ce que j'allais faire. C'est laquelle dans le. La guerre d'indépendance ou l'autre C'est ça, guerre d'indépendance. L'autre, elle est presque finie donc. Ok, c'est vrai qu'il faut prendre le réflexe de faire ça. Je vois pas c'est lesquels qui va être... Ah, c'est les Souleymanes, c'est ça? À droite, entre autres, et les Tulles aussi, là. C'est ça. Tuis, pardon. Il y en a un qui est tout à gauche, les Tuis, et puis t'en as un qui est à l'est de... Enfin, au sud-est de la Tunisie. Ah ouais, ouais, relou. Oh, c'est... Putain, les gens là-bas... Ils font quoi? On va aller les taper. Et les Asturiens qui libèrent les provinces. C'est même pas l'Asturie qui a libéré ses provinces, hein, son vassal quoi. Ils accepteraient une paix blanche, toujours pas. Oh, encore des rebelles. Oui. Bah. 3000 en fait, j'avais c'est pas laquelle. Vu. Ok, ça c'est des rebelles nuls. Ils sont déjà poutrés par des gens. Ils se révoltent là où il y a des armées sur place. Je me dépêche. Non, off. Ils vont récupérer. Super. Ça arrive le 23 janvier. Ça a piqué pendant le stand, mais. Ouh, ça pique pour moi, ça. Ouais, je me fais poutrer. Ah merde. J'aurais bien je me barre, ça sert à rien. J'aurais bien venir t'aider. Tant pis, ils vont avoir du score et tant pis, s'ils prennent leur liberté, j'irai les repoutrer derrière. Un par un. C'est pareil, j'ai j'avais... pas droit au Yorms Viking. Hein. J'avais des paysans... t'as pas droit? Non, il y a quelqu'un qui les a. Parce que sinon j'utiliserai les Yorms Viking pour finir l'Asturie quoi. Tu vois. Bah ça, attends, moi je les ai recrutés. Je peux te les envoyer par contre. Si tu veux. Parce que moi je peux. Ouais. Mais alors faudrait que tu rejoignes celle de l'Asturie qui devait se finir vite. Mais qui au final. Ben invite-moi, vas-y. Hop, attends. Ici. Autre. Appeler à la guerre. Ça, voilà. Excellent. Et ce qu'il faut prendre, c'est la province à droite de sa capitale. Le truc en même temps. Alors, c'est la. C'est où en haut à gauche, en haut à droite? Tu es là. Donc, c'est. Tu vois le milieu de l'Espagne, t'as sa capitale. Et ouais. C'est juste à droite de sa capitale. Ok, je les envoie dessus. J'ai gagné ma bataille là. J'ai perdu ma première bataille, mais je devrais gagner la deuxième. Quel bordel! Et l'autre rébellion, c'est très bordélique aussi.
Vu qu'au final ils réussissent leur, leur siège, bah oui je peux pas m'occuper d'eux, j'ai déjà deux grosses guerres sur le dos. Donc ouais, et ça c'est pour prendre bah, genre la moitié de mon territoire. Donc c'est marrant. Alors, les Yans Vikings. Attention, t'as la grande armée d'Asturie qui arrive. Ah oui. Oui, je vais peut-être faire demi-tour. Ouais. T'as raison, tu viens de me le dire. Parfait, on va les intercepter. Ainsi que 350 musulmans. Ah, un peu plus que 350 ouais, en c'est... fait. Ouais, c'est Sevasto et c'est ceux-là qui sont chiants en fait en vrai. Ah, quoi que non, c'est Razakrit. Donc en fait, les Razakrit sont en guerre contre l'Asturie. Et ils veulent probablement le même territoire que moi. Donc c'est-à-dire que je vais me retrouver en guerre contre eux après. Puis il y a l'autre Bélion en Gérès. C'est un peu 1750. Fort qui vient d'arriver. Ah oui, sans plaisir. Mais ça devrait le faire. Est-ce que je veux voir c'est les rebelles ennemis qui restent, l'autre rébellion. A... J'ai l'impression qu'il reste y a... deux armées. Il y a 8000 hommes au nord. Ouais, mais ah oui, bah t'en as 4000 qui appartiennent à la rébellion. Donc ils vont venir emmerder, j'ai l'impression. Ouais, 6000 hein. Quoique non, c'est les 4000 plus des vassaux de l'Asturie. Ouais, je pense que le siège va être un poil long. Dommage parce qu'effectivement, avec ce siège là, je pense qu'il sortirait. Vu que ça donnera le siège, le score de guerre. Enfin, le score de contrôle, machin chouette. Donc oui, ça, ça sortira. Et pff, j'ai encore des gens qui veulent se révolter. J'ai les Bretons qui veulent se révolter, s'il te plaît. Ils ont l'air de me laisser plutôt tranquille. Le siège soit hyper long. Ouais, bah 11 mois là aussi. Ouais. Je serais bienvenu aussi, hein, mais vu que non, non, j'ai non, des mais autres rebelles à gérer. Non, non, je veux pas que c'est pas la question, c'est que. Je... Ici. Alors il aurait fallu faire d'autres sièges moins durs pour. Ouais, mais celui-là va donner le score vu que c'est le duché que je convoite. Ah bah oui. Ah non, mais pas de soucis, moi je les laisse là. Si tu vois qu'il y a un problème, je suis remonté chez moi. Si tu vois que. Il y a une armée ouais, qui fonce ou. Voilà, tu me dis. On essaie d'être sur tous les fronts, mais. Tiens, le prince Abdallah. 50 pièces pour le libérer. Lui. Check de Saragosse. Et hop, encore des... C'est les Bretons maintenant, c'est les catholiques bretons qui se révoltent. Super, j'ai besoin de ça. Les casse-couilles. Les catholiques bretons qui se révoltent en Espagne aussi. Parce que c'est connu. Le bord... Ouais, c'est le bordel là chez toi, effectivement. Bah chacun son tour hein, j'ai envie de dire. Ouais c'est vrai. 5%. Bah oui mais ils vont libérer leur. S'ils venaient pas libérer la province, je pourrais me gérer facilement la rébellion des vassaux pour qu'ils demandent la liberté, mais là vu qu'ils demandent la. Ils viennent libérer la province et qu'il y a du monde autour.
ça. Il faudrait vraiment sortir la tuerie déjà, histoire d'y voir un peu plus clair. Ouais. Mais là j'ai... Non, j'ai pas gagné assez de score. Ah mais t'en as... Ah oui mais t'as 4 rébellions sur la gueule toi. Ouais c'est ça, 2... Enfin, 3 plus ma guerre. Alors on va rejoindre toutes les guerres, comme ça j'y vois un peu plus clair. Youf. Ah c'est pas simple d'être empereur hein. Yep. C'est ça. Je vais me mettre... Et si je reste à Porto... Ouais. Je vais me reculer. Hop, ici je vais pouvoir peut-être les Bretons, tu vois, si j'arrive à casser la moitié de leur armée. Vitesse 1 là, en vitesse 2. Ah oui, d'accord, ok. Je m'épouse. On est de retour. Voilà. Après une petite coupure, ça faisait bien longtemps. J'étais en train de dire justement, mais c'est pourquoi on est en vitesse 1. Bah voilà, au moment où j'ai dit ça, j'ai vu le message. Ça va. Quoi dans la soirée. Ah, je peux appliquer lui. Guerre d'indépendance, tu vas venir. Je peux transférer ça, j'accepte. Appeler des gens, bande de la fumée de feu pour la révolte galicienne, allez hop. Mais toi ici. Maintenant que t'es empereur, tu devrais pas garder... Ah bah non, si, j'allais dire tu devrais pas garder qu'un seul titre de royaume, mais en fait c'est peut-être déjà le cas, non? Attends, j'ai quoi en titre de roi? J'ai empire, j'ai zéro titre de roi j'ai l'impression. Ouais, mais c'est dû à la rébellion, ça. Ah, ou si, rébellion, non? Ben, normalement, le royaume de Mercy, je suis censé l'avoir. Ouais, c'est bizarre, ça. Mais le roi de Mercy, c'est pas moi. Donc, il y a dû avoir pendant l'élection un changement, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais du coup, ça devrait te faire un peu moins de vassaux à gérer aussi. Oui. Fumée de feu, c'est la guerre d'indépendance que j'ai besoin d'aide. Toi ici, tu vas venir pour la révolte. Hop, toi ici, tu vas venir pour la révolte galicienne. Les Asturies qui se sont jetés sur les Yorks Vikings, mais ils sont pas assez nombreux. Ils sont écrasés. C'est le sacrifice. Oui, c'est le sacrifice final. Ouais. C'est la victoire. Quasiment la fin du siège. Ah oui, ça y est, t'as appelé du monde là. J'ai pas pensé plutôt à appeler mes. Oui, c'est vrai ça. Oui, ils vont venir. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais quand j'ai ouvert, en fait, vu qu'il y a eu le rechargement, j'ai eu toutes les notifs. Et donc j'ai été voir, et ah bah oui, je peux faire ça. Hop, tu ne m'aimes pas. Bah ça va, tu ne m'aimes pas, mais de pas beaucoup. Je vais t'influencer. Le roi... Ah, il y a eu un changement de roi auprès des Asturies. Apparemment. Oui, c'est un nouveau roi. 15 ans. Oh, c'est dommage. Ouais, c'est le fils. Ah, nickel. Hop. Hop là. Allez, moins 1. Ensuite, on va aller voir les Suleiman là-bas. Bon, bah. Plus 1. Ah, où on va. Oui, on va venir faire un peu de bagarre dans le tas là. Hop, qui s'est rebellé cette fois-ci? Tlemcen. Bah y'a les Bretons toujours, je sais pas qui s'est rebellé, à celui qui est au Danemark. Et je vois pas les autres. Ça fait quoi, bordel. Ça fait juste une rébellion de plus. Ah puis si je peux appeler, je peux changer de chancelier. Je sais pas, j'arrive avec les Yorks Vikings. On va leur mettre une grosse fessée. Allez, vas-y.
Normalement ça devrait se décider là dans 13 jours. Ouais. Avec tes renforts qui arrivent, ça va le faire. Les 10 000 troupes qui arrivent au nord. Ah bah ça, voilà. Ça fait plaisir ça. Oui, ça franchement ça va aider. Et puis j'ai aussi des rebelles là pas loin. Donc, ah bah c'est... Ils se battent contre un autre. Ils l'ont intercepté en fait en arrivant. Bah, faudrait qu'ils aillent à droite là comme ça. Ah, ils vont venir nous aider. Oui. L'IA est un peu fait pour se jeter sur les combats je crois. C'est ça, pour le moment on peut encore trop les diriger. Non. Ça viendra, je pense que c'est quand même un truc important dans le jeu de diriger ses alliés. Ouais un petit peu, ouais, au moins pouvoir les orienter un petit peu, ce serait pas mal ouais. Ah et là il y en a 21 qui... Ah non ils vont poser, j'ai cru qu'ils allaient tous côté à 21 comme 2200. Voilà. Bon ça va, 21 000 contre 0. Hop ici 35%, je vais tenter la paix blanche. C'est bon, ils acceptent. Une de moins. Là au sud, les rebelles se font poutrer par le roi de Mercy. Ah tiens, mais ça c'est la capitale du royaume. Elle est où la capitale de... Oh d'accord. La capitale de l'Empire est là en Bretagne en fait. Bah oui, j'ai vu ça, ouais. C'est pour ça, enfin, je voulais te faire la remarque tout à l'heure, je l'ai pas fait parce que je suis passé à autre chose, mais je veux dire, ah bon, ta capitale elle est en Bretagne maintenant. Bah, c'est parce que j'ai perdu le royaume de Mercy. Ah bah oui. Hop, est-ce que j'ai le droit au vote sur ce royaume ou pas? Non, je suis pas dedans, je peux pas voter. Ah merde. Bah je m'en fous, je me ferai un autre royaume. Il y a de la place. J'aime prendre l'Aquitaine pour me faire plaisir ou l'Italie. C'est vrai. Ou non, ouais. Il y a tellement de trucs en fait en ce moment. C'est ouvert de partout donc il faut pas... C'est vrai, c'est vrai. Il y a du monde d'un coup là. Ouais, après j'irai en Bretagne. Et finir. Et puis la dernière elle se fait pousser par le roi donc... Merci royaume de Mercy. T'as un très bon héritier. C'est vrai. Ah, sérieux, il demande quoi lui? Enfin, il demande que j'abandonne mon titre. Bon, va te faire voir. Putain, il y a le... Chaque fois que je me rapproche de la fin d'une guerre... Eh, hey, tiens, prends-toi ça dans la figure. Allez, bim. C'est lui qui était en train de t'emmerder? Non, regarde maintenant ce qui m'emmerde. La Bretagne? Non, un peu plus au sud, Badaroz et... Ah non, encore! Putain! Ça, je t'appelle. J'allais proposer de rejoindre, mais attends, ça. Oui, c'est là. Oh putain! Oh, moi je m'en fous, hein, je suis un peu mercenaire. Mercenaire gratuit, donc. C'est 23%, je peux pas faire une paix blanche? Non, pas encore. C'est l'enfer du cul en ce moment chez toi là, c'est Bah oui, et maintenant vu qu'il y a plein de royaumes qui se sont formés, bah ils se font plaisir. Ah ouais. Là si j'arrive à avoir, c'est qui ça, c'est Castille. Ouais, c'est Castille, si j'arrive à les faire toi. Ah mais Castille, il faut que je l'emprisonne en fait. Passe partout là, il va pas rester longtemps. Passe partout. C'est celui que j'avais capturé, que j'avais revendu, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais... En me disant, tiens, je vais le recapturer, mais voilà, c'est l'occasion. Et il va se convertir cette fois-ci. C'est ça. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que tous les 3 mois, je changeais de conseil. Ah ouais, c'est relou, ça. Hop, là, il reste... Très bien. N'hésite pas à envoyer une armée en Bretagne, hein. Ouais, c'est... Où sont... Bah je vois même plus les rebelles en fait. Bah ouais, parce que t'as plus de territoire. Ah, ouais. Je pense, hein. Après, ouais, mais bon, après ils sont que à 14... Enfin, que à 14%, donc... Ça va. Et c'est qui? Est-ce que... C'est... Non, les Suédois, ils vont se balader. Ici.
Toujours 23%, toujours. Non, je vais pas accepter. Hop. Je peux rançonner quelqu'un. Je peux. What? Ok. Il me disait, vous pouvez rançonner la comtesse. Et je commence. Ah non, d'accord, je peux rançonner la comtesse auprès du comte. Je me disais, oula, la comtesse, elle est un peu. Elle est un peu barbue, mais. Non, c'est son mari à qui je pense. Oui. Ah, j'ai trouvé où sont les rebelles bretons. Ah. Ils traversent Porto. Oh putain. Eux qui t'ont trouvé en fait. C'est ça, ils viennent me chercher. Ouais, c'est très bien qu'ils le fassent. Ce sera plus facile à les arrêter. Oh bah oui, ça c'est sûr. Bon là-bas, il y en a un, il va se faire du score dans le sud, mais. Il reste 38 jours. Ouais, ils sont beaucoup. S'ils avaient pas été autant, j'aurais envoyé juste une de mes armées les intercepter. Vu qu'ils sont plus, je vais déjà fusionner mes armées, j'arrête de les diviser. Ok. Freya est enceinte. Roland, une de mes concubines. Elle est capturée, moi, le nain. Ah, j'ai capturé. La reine, la. Non, c'est pas moi qui ai capturé. Si. Capturer la comtesse. Négocier la libération, tu te convertis. Hop, paix blanche. Ils veulent même pas la paix blanche. Ouais, ils sont pas loin. Je te laisse faire le siège de. C'est quoi, Valladolid? Ah, attends, je reviens voir, ouais. Ouais, ça devrait le faire. Ils sont à 26%, il manque 4 points donc. Bon, très bien, j'ai converti la femme du comte de Castille. Ah, après les rébellions. C'était l'épisode d'avant, c'était rébellion chez moi, cet épisode c'est rébellion chez toi, quoi. C'est ça. J'ai pas plus de temps à grandir que ça, c'est dommage. Hein. Moi, après, bah, pareil non plus. J'ai tellement moyen. Tu sais, je voulais faire des pillages et tout pour les retitres. J'ai pas eu le temps de les faire parce que je suis tout le temps en guerre. Et la merde. Et c'est comme ça. Bonjour, très bien. Ah bien, donc toi tu vas te rendre, c'est ça. Bon, t'acceptes la paix blanche, c'est suffisant. Après il faudra. Ah non, c'est ceux qui. Très bien. C'était les plus chiants, je pense. Et là il reste qui? Ah, il reste ceux de Tlemcen. Ah oui. Allez, en route. Ouais. Ah. Et en Bretagne, après, tu gères du coup ou pas? Bah, la Bretagne, c'est les rebelles que je suis en train de te poutrer. Ah tiens, j'ai trouvé les armées de Tlemcen. Ouais, elles sont en Bretagne. C'est ça. Bon, j'irai les chercher après. D'abord, finis les rebelles. Il n'y avait que deux armées. Vous pouvez appeler votre allié le roi Amlaïd. Hop. Rébellion finie. Et je vais aller à Tlemcen. Ce sera pas suffisant, ils vont prendre ma capitale. Hop, et voilà. Et 20%, est-ce que t'acceptes la paix blanche? Non. Oh bah, je viens de chercher. Voilà. Il reste deux jours. Toi t'es mort. Ils ont capturé mon fils. Ah ouais, ça peut arriver. C'est bon, j'en ai une flopée je pense. Quoique j'ai quatre fils, ils en ont capturé. Non, ils ont capturé un fils, une fille. Sur trois fils, une fille. Bon ça va, je commence à avoir pas mal de monde qui vote pour mon fils. Tant mieux. Bah, il y avait un mec qui était largement devant, je l'ai fait assassiner, et du coup maintenant c'est mon fils qui est prioritaire, qui est premier. Candidat, qui est le candidat? Non, moi ce que je veux voir c'est par score de vote. Et c'est pas moi, c'est dommage. Et il y en a qui votent pour d'autres rois pour les mettre en... D'accord. Bah c'est pas une mauvaise idée, hein, si t'arrives à faire ça. Bah ouais. Hop.
Par contre, ça m'attriste que Mercy ne soit plus ma capitaine. Tout le travail que j'y ai fait. Ah ouais, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, je vais me fonder une autre capitale centrée sur l'Empire, quand même, parce que là, elle est très, très excentrée. Ah, ça m'a enlevé les Yorns Vikings. Ah, pourquoi? Parce qu'on est plus en... Est-ce qu'ils sont quoi? Ils sont... Bah, ils ne doivent pas être à Zatrou, hein. Ouais, on est plus en... Ouais, bah ils sont à Zatrou, ceux à qui... Enfin, le chef, celui de Tlemcen, est à Zatrou. Ouais, ça l'a dissous, de toute façon, et puis je peux plus le réembaucher. Bon, je vais battre son armée, ça devrait être suffisant. Garde royale. Ok. Prendre ça, prendre la capitale. Enfin, récupérer ma capitale. Sauf si tu captures le... Luc, mais... Ouais, non. Et je sais même pas si... J'ai capturé des combattants. J'ai récupéré du pourcentage. Ils ont quoi que pour le score? Guerre de libération. Il a l'objectif qui doit être ma capitale, justement. Ah oui, d'accord. On va s'arrêter là. On va diviser l'armée en deux. Ah putain, moi ça... En plus, ça a complètement implosé, là, la Haute-Silésie, pas loin de chez moi. Je peux pas lui déclarer la guerre, elle, pour prendre son... duché de Bohème. Oula. Ah oui, c'est festin en fait. Ah ouais. La Norvège, bon bah je mets bien. J'aime bien le blason de la Norvège. Bah oui. Hop, il y a l'Islande aussi qui se met bien. Ça je l'aime bien, mais en même temps c'est moi qui l'avais choisi. Est-ce que je peux pas reprendre les Yorms Vikings d'ailleurs? Bon, alors je vais pas lever mon armée finalement. Je vais les Yorms Vikings pour faire une guerre. C'est plus économique. Tout à fait. Hop. Et hop. Une province. Ah, je devrais intercepter les armées en fuite que j'ai capturées. Au moins une. Juste libérer ma capitale. Ouais non, 150 tu vas rester en prison. Non. Oh, je les ai manqués de peu. Ah, ils ont quand même un allié qui les a rejoints, j'avais pas vu. Mais bon, on pourrait le faire, il est déjà en guerre en plus. Allié. Ah non, il est pas en guerre. Si. Oh, t'es très pur, on est en train avec l'argent en fait. Oui, le roi a obtenu une trêve pendant avec le roi de Norvège pendant 10 ans, il m'apprécie et on a des liens commerciaux. Donnerait opinion populaire. 20. Ah oui, on va prendre. Carrément. Parce que ça, j'en ai besoin. Bon bah. Bah là, je crois l'opinion populaire, c'est sur la... Ah, je crois. Allez, 37% en paix blanche. Enfin. Fin des rébellions. Ah bah punaise. Parfait, on va pouvoir arrêter l'épisode sur ça. Voilà. Parce qu'il est très long du coup. Disperser les troupes. Bah ouais. Nickel. Piouf. Voilà. Et ben... Voilà, ça a saigné aujourd'hui sur les deux épisodes. Il y a eu des morts hein. Très... Alors là je regarde. Envahir le royaume. Je me manque quoi? Je pense qu'il me manque mon niveau de prestige. Il faut que je sois rayonnant et actuellement... Je ne suis qu'illustre, donc bah, cette fois-ci, hein, je vise une guerre contre l'Angleterre ou contre l'Aquitaine. Je verrai quel sera le plus intéressant, mais je pense que l'Angleterre, il faut qu'on ait notre revanche. Enfin, que moi, j'ai ma revanche, en tout cas. Donc, bah, quand j'aurai les points, ce sera direction l'Angleterre. Et oui, bah, moi, du coup, c'est finir ça, essayer peut-être de faire un peu de pillage, et puis surtout s'agrandir. Là, je prends juste un petit comté, mais ça va me permettre de créer le duché de Bohême. Ce qui me donne aussi le royaume en fait, parce qu'on a regardé en off, hein, le duché, le royaume, c'est
Bah, le même nom, c'est la même chose, c'est la même chose, voilà. Donc après, bah en fait, j'ai le de quoi faire le royaume de Poméranie, le royaume de Bohème et donc l'Empire, mais il va me manquer de l'argent et du prestige. Donc voilà. De mon côté. Ouais, et moi, bah, prochains épisodes. À mon avis, j'ai quoi? Je dois avoir Biscay que je peux réattaquer, je peux faire Musaïd et je peux faire Razakid, qui ne devrait pas être trop compliqué. Donc j'aurai quelques conquêtes et puis des conquêtes sur le Maghreb plus tard ou en Aquitaine. Pour ça que l'Aquitaine je vise pas pour une conquête de royaume vu que je peux faire en conquête de duché qui ira très vite. Et puis on verra, ça va évoluer. L'Empire arabe il est dans quel état tiens? Et l'Empire byzantin? L'Empire byzantin c'est un peu le chaos. Ça y est, ça a éclaté un petit peu. Ah oui, ça éclate là, oui. Ça reprend les guerres civiles. J'ai l'impression que c'est la même guerre civile qu'on avait eu au début, qu'on avait vu entre les épisodes. Sauf que c'est plus la même dirigeante et qu'il y a une autre guerre civile par-dessus. Ça doit être ça. C'est le bordel. C'est bien folklorique. Hein. Bah, toujours dans l'Empire byzantin, de toute façon. Oh oui. Et ben voilà. Donc, bah, on va s'arrêter ici. Oups, c'est ça. Je suis à fond micro. On espère que cet épisode, comme les autres, vous a plu. Bah, si c'est le cas, hein, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, s'abonner pour ne pas manquer la suite. Et on va s'arrêter ici. On se retrouvera dès mardi prochain pour un nouvel épisode. À plus. À plus tout le monde.